Et salut à tous, c'est Trixto, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Un peu spéciale parce que ça fait. J'ai jamais vraiment présenté soi. Mais là, je fais une review d'un Transformer, hein, d'un tout nouveau. B127, en anglais. Ou B127, bref, ça s'en fout. Donc, il est. Je l'ai acheté sur Amazon, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, il est vraiment cool. Juste, ah oui, avant une petite parenthèse, j'ai regardé que dans mes. YouTube, une petite partie des gens qui regardent, enfin une grande partie des gens regardaient mes vidéos mais n'étaient pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit et vous pouvez aussi, bah, c'est cool quoi, c'est mieux de vous abonner quoi. Moi, vous recevez toutes les notifications. Donc voilà. Oui, pour la présentation de Bumblebee, donc il est assez petit, je vais faire une comparaison avec le Siege Starscream. Voilà. Une grande différence, mais il est très petit en même temps. Les Bumblebee sont très petits, je trouve, les studios Siege. Ils sont tous la même taille, mais je crois que celui-là c'est vraiment un des petits. Un gros pack, un peu dommage, pour éviter que tout ça, ça dégage. Mais bon, ça tient quand même pas mal. On va passer aux articulations. Donc là, la tête, elle peut tourner comme ceci. On peut aller jusque là, en hauteur. Pas mal, non du tout. Les épaules, donc les bras, peuvent aller jusqu'ici. Ils peuvent tourner là. Là, vous avez une rotation. Les bras peuvent aller à plus que 90 degrés. Vous avez... une articulation ici au niveau du bassin, vraiment bien, c'est bien. Pour les jambes, vous pouvez aller comme ça et derrière jusqu'à là. Vous avez une rotation ici, comme ceci. Oui, vous pouvez aller jusque là, pas trop mal en bas même. Ensuite, pour les pieds. Ils sont vraiment très articulés. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on va passer à la transformation, hein, je pense. Voilà, c'est parti. Donc pour la transformation, donc vous allez déjà prendre les bras comme ceci. Ensuite, vous allez venir enlever les tables ici. Désolé, je suis pas très bon en régie, j'en fais jamais, je suis plus de stop motion, hein, vous le savez sur ma chaîne, je fais que ça pratiquement. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais fait plein de stop motion au cas où, parce que voilà, j'en avais fait plein, parce que j'avais un peu le temps, et sauf qu'ils ont été supprimés, parce que ça a bugué sur mon appli, donc voilà, c'est un peu dommage. Donc j'en ai recréé un il y a pas longtemps. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je peux en faire plein. Enfin, je peux en faire dès que j'ai le temps. Donc voilà. Donc, vous allez venir mettre ça comme ceci. D'ailleurs, justement, j'ai commencé un stop motion avec ce bonhomme-là. Voilà. Donc, vous venez lever comme ceci. Vous enlevez le tab du torse. Vous mettez ça comme ceci. Clipsez ces deux parties-là. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup ce bonhomme. Ensuite, vous allez venir... alors, attendez. Oui, voilà. Poussez ça comme ceci. Ensuite, la tête, vous allez la rétracter ici. Comme ceci. Et poussez ça vers le haut. Ensuite, on va clipser les bras. Il y a un petit tab. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, le zoom qui ne veut pas... Le focus, merci. Ici, il y a un petit tab. Vous allez venir tab comme ceci. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Les bras, bon, ils ne bougeront plus. Ensuite, cette partie-là, vous allez venir comme ceci, la tourner jusque ici. Il y a un tab, vous voyez. Hop, vous clipsez bien. Voilà. Ensuite, ici, vous allez venir prendre la roue, la rétracter ici, rétracter l'ensemble de cette petite pièce. Alors faites attention, c'est un peu fragile,
Déjà, les pieds, vous le poussez vers le bas comme ça. Et ici, vous rétractez ça ici. Et vous clipsez. Ça clipse parfaitement bien là. Pareil de l'autre côté. Le pied vers le bas. Ensuite ici, on met ça comme ceci. On rétracte ici. Bon, attention, parce que il est un peu fragile comme bonhomme. Après, moi, je l'ai pas cassé pour l'instant, heureusement. Voilà. Faut bien mettre correctement. Là, vous pouvez clipser, il y a un tab. Pourquoi c'est pas le focus, hein, là. Aujourd'hui, il veut pas. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, vous allez venir. Ici, voilà, comme ça, vous clipsez, vous rétractez tout cet ensemble-là de pièces. Comme ceci, faites attention, parce que ça, ça tient sur un petit truc. Vous clipsez ici. Pourquoi le focus ne veut pas se faire? Voilà, comme ceci, là, vous clipsez. Et ensuite, là, on a pratiquement fini. Vous allez venir comme ceci, faire ça et faire ça. Et vous allez venir clipser ici, donc c'est un peu technique. Vous poussez comme ceci, voilà, et de l'autre côté. Et voilà, donc c'est clipsé. Et dernière étape, il y a deux tabs juste à l'intérieur ici, donc vous allez pousser. Ça va se taber comme ça. Vous poussez là, vous clipsez bien tout. Et là, vous avez votre Transformer BMW Studio Series en mode véhicule. Donc, je le trouve super cool. Franchement, super bien. Par contre, je suis désolé, mais le prix sur Amazon, ça ne va pas. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. D'ailleurs, j'ai pas montré, mais attendez. Il vient avec le canon. Désolé, j'ai même pas montré. Focus, merci. Alors, c'est le même que le Off-Road Bumblebee. Attends, je l'ai, le canon, d'ailleurs. Parce que là, ouais, j'ai mis quelques petits trucs dans une boîte. Un petit... Voilà. Ça, c'est l'arme de Starscream. Il est là, d'ailleurs. Donc, alors, attendez. Voilà. Vous voyez, la comparaison avec le... Ça, c'est le pistolet de Off-Road Bumblebee. Et ça, c'est... celui-ci. Donc il y a quand même différence. Là c'est noir, là c'est un peu argenté. Mais je préfère comme ça, je trouve. Franchement, je le préfère comme ça. Alors, on voit pas à la caméra, mais quoi qu'un petit peu. Mais l'argenté au bout du canon, ici, est beaucoup plus argenté que là. Sauf que là c'est en noir, donc voilà. Donc voilà, petite différence. Mais c'est le même canon, le même modèle, juste la couleur qui change. Et vous pouvez mettre le flingue ici, mais moi j'arrive pas à le tab, enfin, le clipser. Enfin, c'est un peu long, j'y arrive pas. Mais ça marche, vous pouvez. Bon, ça évite de le trimballer. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que ce Bumblebee ne vient pas comme dans le film. Hein, avec, je pense que je vous mettrai une photo ou un extrait de vidéo. Ouais, je vais vous en montrer un maintenant. C'est parti. De Bumblebee avec parce qu'il a justement dans le film, si vous avez vu Bumblebee le film, movie, il a des canons ici sur Cybertron quand il est sur Cybertron, hein. Il a des canons quand il est en mode voiture ici, et c'est dommage parce qu'ils l'ont pas fait, ils auraient pu en vrai. Justement, le Bumblebee en mode comment ça s'appelle là, en mode petite voiture là, je sais plus le nom. Enfin, comme dans le film, quoi, le Bumblebee du film, mais pas en mode Cybertron, en mode sur la Terre, quoi. Et ben, il vient avec l'épée là, et vous pouvez aussi prendre l'épée là, de ce Bumblebee pour ce bonhomme là. Et vous pouvez clipser, regardez, si vous voyez bien, ici il y a des tabs. Bon, là je peux pas, il est en mode voiture. Mais voilà, donc ça peut vraiment servir, ça peut être cool. Je vous le conseille. Si vous l'avez, bien sûr, hein, parce que si vous l'avez pas, bah, ça marche pas. Donc voilà. Ensuite, ah, d'ailleurs, il est pété, là, attendez. Il y a clairement un bout qui est pété. Mais ça clipse quand même, donc, oh, cool. Voilà. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Je vais au moins vous montrer la boîte, parce que j'ai la boîte. Très jolie boîte, hein. J'aime beaucoup.
Et B, ouais, 127. C'est le numéro 70. Sur le côté, une photo de Bambi. Très classe, hein, d'ailleurs. Et à l'arrière, un peu. Alors. Disons que c'est pas vraiment. Alors, par contre, il y a une lumière dégueulasse derrière, sur l'image. Bon, tant pis. Pas vraiment comme on l'a là. Parce qu'ils ont un peu amélioré la photo. On voit bien que là, ils ont un peu. Affiner un peu les détails des jambes pour qu'elles fassent moins grosses parce que c'est vrai qu'elles sont un peu grosses les jambes, mais franchement ça va, hein. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent savoir, il y a 20 étapes. Voilà. Et donc, si vous voulez, je vais vous lire ça. Lorsque les Decepticons s'emparent de Cybertron, Optimus Prime rejoint l'éclaireur Autobot B127 et l'envoie en mission pour rétablir une base sur une planète lointaine nommée Terre. Voilà. Si vous avez le film, vous comprenez. Voilà, là, c'est pareil, mais en toutes les langues, du coup. Voilà. As the Decepticons take Cybertron, Optimus Prime find Autobot Scout B127 and send him on a mission to establish. Attends, oh, ça se dit comme ça en anglais. Establish, ouais. A base on a well-hidden planet called Earth. Donc voilà, c'est pareil hein, pour toutes les langues. D'ailleurs, sans quoi, on s'en fout un peu. Mais bref, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Ouais, et aussi ici, je crois que je vous l'ai déjà montré juste avant. Très belle photo de Bambi. En mode Cybertron. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, s'il vous plaît. Ce sera pour vous autres. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Ça ferait plaisir. C'est gratuit. Et ça me ferait bah, vraiment plaisir, justement. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et sur ce, moi, je vais être. C'était Trix. À la prochaine. À plus. Peace.